Salut tout le monde les gars, c'est Supra et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Avant de passer au sujet principal de la vidéo, je tenais tout simplement à promouvoir mon code créateur qui est simplement le faux Supra. Donc je vous invite quand même ceux qui l'ont déjà mis à tout simplement vérifier dans la boutique, voilà, et ça se peut qu'il se soit enlevé tout simplement, moi ça m'est arrivé. Voilà, sur mon compte j'ai vu, et même un compte d'un pote justement, que le code s'était enlevé de la boutique. Il y a environ 60 personnes, 70 personnes qui ont justement plus le code créateur parce que j'étais à 250, on est passé à 180. C'est tout à fait normal en fait, c'est tous les mois ou toutes les 3 semaines ils enlèvent le code créateur, je ne sais pas pour quelle raison. Donc voilà, faut juste penser à revérifier de temps en temps et à le remettre, voilà, s'il y est plus. Donc voilà, je vous demande vraiment d'aller vérifier et s'il y est plus, de le remettre, voilà, tout simplement, le faux Supra à gauche de votre écran. Et aujourd'hui les gars, je vais tout simplement vous parler d'un nouveau pack qui devrait arriver sur Fortnite Battle Royale, voilà. Donc un nouveau pack avec des V-Bucks, mais d'abord je voulais tout simplement vous parler d'un petit concept, voilà, par rapport à la zone de Fortnite, parce que c'est vrai que la zone on a l'habitude qu'elle soit ronde, et là cette fois ça se pourrait qu'elle ait justement des petites formes différentes, et je pense que ça serait vraiment intéressant justement à voir sur Fortnite. Ça ferait une technique de jeu à peu près la même, mais deux fois en fonction de la forme de la zone ça serait différent. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant à voir. J'aimerais bien que Fortnite fasse au moins un mode avec la tempête justement qui soit dans cette forme, des formes différentes, qui soit pas forcément ronde, et je pense que ça serait vraiment intéressant à tester. Après là c'est qu'un concept, voilà, donc c'est pas Epic Games qui l'ont testé, c'est tout simplement sur Reddit qu'ils en ont parlé. Donc c'est en train de pas mal tourner en ce moment et je pense que ça serait vraiment intéressant, donc à voir pourquoi pas pour la suite s'ils le sortent. Et je voulais aussi vous parler du nouveau véhicule justement qui est dans l'actu de Fortnite. Donc, c'est simplement une sorte de boule justement comme les hamsters, donc voilà, à voir à la vitesse à laquelle ça se déplace, mais j'ai vu qu'il y avait un petit grappin à l'avant, donc je pense qu'on pourra s'agripper justement aux surfaces, voilà, tout simplement les murs tout ça, et je pense qu'on pourra aller vachement vite. En plus si c'est une sorte de balle rebondissante, je pense que ça peut être vachement rapide à tester. Donc normalement ça devrait arriver mardi ou jeudi en fonction des mises à jour, voilà, donc à voir quand c'est qu'elle va sortir, mais je pense que ça peut être intéressant à tester. Je pense que c'est ce qui va remplacer l'avion pour la saison 8. L'avion normalement devrait revenir à la saison 9, ils ont dit, donc bon, on verra tout ça. Et du coup je voulais tout simplement vous parler donc tout simplement du nouveau pack qui a été trouvé justement en Russie, voilà, tout simplement c'est un pack pour le moment qui est qu'en Russie. Donc quand on achète une PlayStation 4, on a un skin et 1000 V-Bucks. Bon, le skin rien de spécial, c'est celui qu'on a déjà dans la boutique, il coûte 800 V-Bucks si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, c'est un peu le skin militaire soldat, et donc plutôt sympa, mais bon voilà, rien d'exceptionnel, alors que nous on avait eu le même avec je sais plus du tout le nom, mais je vous le mets à l'écran, c'est une sorte de capitaine, voilà, et je sais plus du tout le nom, et franchement il y a une différence, mais c'est vrai que je sais pas, c'est toujours plaisant quand même d'avoir ce petit pack, parce que derrière il y a quand même 1000 V-Bucks. Donc voilà, suffit que vous achetez une PlayStation 4 et derrière vous avez 1000 V-Bucks direct sur Fortnite, vous faites déjà un autre skin, en plus vous en avez déjà un. Enfin bref, rien de mieux pour commencer sur Fortnite. Et en tout cas moi les gars, je vais tout simplement vous laisser sur cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et allez, bye tout le monde.